Bonjour à vous, signe du Scorpion, j'espère que vous allez bien en ce 9 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Êtes-vous prêt, signe du Scorpion? C'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie, à traverser l'écran. Allons-y, signe du Scorpion, avec la carte de la séduction. Je ne sais pas si il va y avoir un lien, mais en dessous du paquet, il y a la carte du coup de poignard dans le dos. Énergie de trahison, de souffrance, de séparation, de déception, de choc. On s'attaque aussi. Donc, on verra bien. Peut-être qu'il va y avoir un lien, comme peut-être que non. Donc là, on nous parle de quoi? De séduction. Se laisser tenter. On verra bien. Scorpion. On nous présente le clown. Bon, le clown qui nous séduit. Un jeu de séduction. Le clown qui nous amuse, qui nous séduit, qui nous fait rire. Bien, je trouve que les deux cartes vont bien ensemble. Jeu de séduction. Le sens de l'humour. Continuons. Allez. Allez où? Voir le spectacle. Allez voir le clown, allez voir le spectacle, allez s'amuser, allez, rions, continuons. Le clown, ou bien on est en train de nous dire qu'on laisse aller le clown. Attendez. Séduction, allez. Scorpion. On laisse aller le personnage, un jeu de rôle, un jeu de séduction. Continuons. Scorpion. Ici, on nous présente quoi? La carte de la courte maladie. Courte maladie. Continuons d'explorer. On verra bien. La courte maladie. Parce que là, on pourrait nous parler d'une personne qui est prise dans son rôle, dans son personnage. Ici. Ou quoi? Peut-être qu'on est en train de nous parler de l'importance d'avoir le sens de l'humour, d'en rire, de dédramatiser. On est sur la voie du rétablissement. Peut-être aussi, là. Continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer en commentaire. Scorpion. On nous présente l'énergie de la mère, la femme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tout de suite après, ouf, attendez là. Ouf, là, je pense qu'on est en train de nous dire quoi? OK, attendez. La mère, femme, inspirante, inspirée, celle qui donne naissance,
une carte qui exprime la vie, porter la vie, porter le monde. Continuons. Une femme, une mère, stimulante, stimulée, qui a des projets plein la tête. Continuons. Tout de suite après, on me présente le masculin, l'empereur. Ici, c'est l'impératrice, le féminin, l'énergie de la mère. Ici, l'empereur, à l'envers. Le masculin est à l'envers. La polarité masculine, l'empereur, est à l'envers. Ici, on me présente le magicien à l'envers. Les ruses, les manipulations. Ici, on me présente la carte du pouvoir à l'envers. Sentiment d'impuissance, lutte de pouvoir, abus de pouvoir. Ici, c'est une personne qui contrôle, contrôle fort. Qui contrôle le jeu, les jeux d'esprit, le jeu de manipulation. Il y a un masculin ici, là, une polarité masculine. À vous de voir ce que ça vous dit. Mes cartes sont à l'envers. Ici, la roue de fortune à l'envers, ça tourne mal. C'est le trouble. La roue tourne dans le sens de la bad luck, la malchance, ça tourne mal. Donc, la personne ici qui a joué de ruse au contrôle, une personne au contrôle, bien là, on dirait là, que c'est un revirement de situation. Cette personne qui voulait gagner au jeu est en train de perdre au jeu. Il y a un revirement de situation. On met fin aux échanges, on met fin aux communications. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Bon, là, attendez une minute, nous n'arrivons pas à nous entendre. Donc, il y a la mère ici, l'énergie d'une femme. Donc, c'est peut-être ça là, ici qu'on est en train de nous dire. Il y a une personne. Bon, jeu de séduction. La séduction ici fait partie du personnage. On nous présente une personne qui, je ne sais pas, est-ce une personne que vous avez rencontrée? Possiblement. On nous parle de rencontre. On s'est donné rendez-vous. On a dit oui. On y est allé. On nous présente la courte maladie. Une personne qui quoi? Qui a des troubles de santé? À quel niveau? Donc, on nous présente le personnage, le clown. Là, je regarde son nez rouge. Spécial, mon regard s'est porté sur le nez. Nez rouge. Bon. On s'est laissé séduire. On s'est laissé séduire. Mais là, on nous parle de la courte maladie. On verra bien. Ici, ennui, quelque chose qui revient du passé. Il y a quelque chose qui tourne mal. C'est un jeu qui tourne mal, signe du scorpion. Ici, c'est une carte qui nous parle d'abus de pouvoir. Une personne qui veut dominer, qui fait tout pour gagner, qui ne veut pas perdre au jeu, mais mes cartes sont dans le sens de la perte, dans le sens de la défaite, dans le sens du trouble, des ennuis. D'après moi, on n'est déjà plus en communication avec cette personne. On a probablement déjà mis fin aux communications. D'après moi, ce jeu de séduction ou ce jeu-là, de manipulation, de ruse, qui était contrôlée par un leader, ici. On rencontre le leader, c'est l'énergie, c'est la polarité masculine qui est là.
Mais on nous présente cette personne instable. Instable. C'est une personne qui veut dominer. Qui veut dominer, dresser le féminin. C'est une personne qui veut dominer, dresser le féminin. Dompter, dompter, là je regarde la carte ici. Dompter le féminin. Oui, oui, j'ai vraiment le mot dompter qui me traverse l'esprit. Donc, il y a une lutte de pouvoir ici, le scorpion. C'est ce que je rencontre. Et là, ça tourne mal. C'est un jeu qui tourne mal. Donc, on nous parle d'abus de pouvoir, jeu d'esprit, mensonge. Et on a mis fin à ces échanges. On a mis fin à ce contact. D'après moi, il n'y a pas de relation. Nous n'allions pas dans le même sens. C'est la dérive, là, en ce moment. Donc, c'est une personne qui peut utiliser le charme, la séduction, pour arriver à ses fins, pour gagner au jeu. C'est comme ça que cette personne se prend, s'y prend. Un jeu de séduction. C'est une personne qui ne se remet pas en question. C'est une personne qui veut gagner sur tous les plans, qui veut le pouvoir, qui répète un schéma destructeur. Le but est de dompter le féminin. Dompter l'impératrice. Donc, il y a comme une lutte ici en ce jeu entre le féminin et le masculin. Et le masculin veut le pouvoir sur le féminin, veut dresser le féminin. Veut dompter le féminin. Donc l'approche, on approche le féminin comment? L'humour, la séduction. C'est toute une mise en scène, là, ici. Une mise en scène. Pourquoi mon regard se fixe sur le nez? Le nez du clown. Le nez rouge. On dirait que je vois juste ça, son nez. Le nez rouge. Est-ce qu'on nous parle d'alcool, alcoolisme? Donc là, à vous de voir, parce qu'ici c'est la polarité masculine, mais comme nous portons à l'intérieur de soi, à l'intérieur de soi, le féminin et le masculin. À vous de voir. Ici, on nous présente la polarité masculine au contrôle. C'est une personne qui décide, qui prend les décisions. C'est la polarité masculine qui est là. Et ça peut très bien être une femme, une mère, au contrôle ici. Ça se peut. Attendez, là, je vais quand même continuer d'explorer. On va continuer.
scorpion. En tout cas, ici, pour moi, c'est très, très clair qu'il y a ruse, mensonge, manipulation, jeu de pouvoir, une personne qui ne se remet pas en question, qui veut gagner sur tous les plans, qui veut toujours avoir raison, qui veut avoir le dernier mot. Bien là, ici, cette personne est en train de perdre au jeu. C'est ce qui se passe. On n'arrive pas à bien communiquer ensemble. Nous n'arrivons pas à nous entendre. Bien non, c'est normal. C'est normal. Quand une personne ne veut pas se remettre en question, c'est difficile d'échanger avec cette personne. Il n'y a rien à faire. Et ici, on rencontre une personne qui veut dominer l'autre, qui veut avoir le pouvoir sur l'autre, qui veut avoir le dernier mot. C'est ça, là, ici. Qui veut contrôler l'autre. Il n'y a rien à faire, là, ici. C'est pour ça, ici, qu'on me présente la carte de la communication de la tempérance à l'envers. Nous n'arrivons pas à créer le lien, à créer le pont, à créer la relation, à nous entendre. C'est bloqué, c'est fermé. C'est une personne qui veut le pouvoir, qui veut dominer l'autre. À vous de voir, signe du scorpion, où est-ce que vous vous situez, mais ce sont les cartes que je rencontre. Là, je vais déposer une carte sur l'impératrice. Scorpion. Vouloir rencontrer, discuter avec l'impératrice. Donc, ici, OK. Vouloir échanger, rencontrer. Mais là, il faut se rappeler quand même qu'on est en présence d'une personne très habile dans les jeux d'esprit, très habile dans la manipulation. Donc oui, probablement qu'il va y avoir une personne qui va approcher l'impératrice pour discuter, échanger. C'est la dame de cœur. Donc, l'approche est comment? Allons-y, continuons ici d'explorer. Échanger, attendez une minute, je vais piger une autre carte sur échanger, discuter, négocier avec la mère, avec la dame de cœur. Scorpion! Départ. Bon, ici, départ, s'éloigner d'une personne. Ouf! Oh là 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 là! Attendez un peu, là. Ouf! On a découvert la vérité, on a manqué de discernement. Là, ici, révélation de la vérité, justice à l'envers, la chance à l'envers encore une fois, bad luck. Ici, le dragon, ouf! Le dragon, on est en présence d'une personne qui quoi? C'est une carte ici qui nous parle de violence verbale, d'hostilité, de rancune. Ici, il y a une personne qui quoi? Qui est en train de perdre au jeu. La carte est dans le même sens. La chance à l'envers, bad luck. Justice à l'envers. Ça tourne mal ici. Il y a eu injustice, illégalité. On a quelque chose à clarifier. Dispute, conflit, je vous le dis ici, là. Attaque, violence verbale, dispute, conflit. Là, on est en train de nous dire quoi? Rencontrer, vouloir rencontrer. Bon, OK. Séduction, une personne ici qui est représentée par le clown, qui souffre. On dirait ici, là, étant donné que mon regard se portait sur le nez du clown, on dirait qu'on me présente une personne, et la carte de la maladie, on dirait qu'on me présente une personne qui a un problème d'alcool. Une personne charmante. Qui a un problème d'alcool. Cette personne veut entrer en communication avec
L'impératrice. On nous dit quoi? Négocier, négocier, vouloir se rencontrer, discuter. Départ, c'est la carte qui me dit, qui me parle d'un éloignement. On a quitté ou on s'éloigne de quoi, de qui? Bien là, on nous présente le dragon, la chance à l'envers, la justice à l'envers. On a découvert la vérité. Donc, la personne qui veut rencontrer la dame de cœur, aller, clown, séduction, rencontrer la dame de cœur, nous dit qu'elle s'éloigne de des ennuis, des problèmes. Ici, ouf, une personne très rancunière. Je vous le dis, c'est pas beau, là. Ce n'est pas beau. Justice à l'envers, dispute. Oh, 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 c'est lourd. C'est très, très lourd ce que cette personne vit. Donc, elle nous dit ici qu'elle s'éloigne de ses luttes. Donc, on est en présence. Là, il y a peut-être trois personnes là, ici en ce jeu. Il y a une personne qui s'éloigne d'une personne hyper contrôlante, qui veut gagner sur tous les plans, qui veut le pouvoir. Impossible de communiquer avec cette personne. Elle veut toujours avoir raison, cette personne contrôlante. C'est une personne manipulatrice, rusée, qui ment, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui ne veut pas se remettre en question. Faut que ça fonctionne à sa façon. Donc là, se rencontrer, pourquoi? Une invitation à se rencontrer, rencontrer la dame de cœur. Ici, on nous dit quoi? Je m'éloigne, une personne s'éloigne de ses énergies, là, ici. Illégalité, dragon à l'envers, chance à l'envers, s'éloigne du trouble, veut s'éloigner du trouble. On aurait découvert la vérité, les faits. Cette personne nous dit « J'ai manqué de discernement. Je n'ai pas vu, j'ai manqué de discernement. » Très possible ici, beaucoup d'insécurité financière. Très possible ici qu'il y ait une perte d'argent considérable avec la carte prospérité ou bien une grande peur de perdre. Ce qu'on avait mis dans notre bas de laine. Ou une personne qui a volé ce qu'il y avait dans le bas de laine. Triste, on est désolé. Donc, il y a une personne ici qui veut se libérer de ses jeux de pouvoir, de ses luttes, de ses combats sans fin. On est vraiment en présence d'une personne très, très, très contrôlante. Très, très, très contrôlante qui veut dominer. Je vous le dis, c'est une personne qui veut toujours avoir le dernier mot, toujours avoir raison. C'est une relation à un sens. Donc, il y a une personne ici qui veut rencontrer la dame de cœur. La dame de cœur, c'est une personne qui est bienveillante. C'est l'énergie de la femme, de la mère, celle qui crée, celle qui inspire. Donc là, ici, on nous présente une personne qui veut la rencontrer et qui nous dit « Je prends une distance, je m'éloigne, je m'en vais de ces énergies que nous avons rencontrées là, actuellement, que nous venons de rencontrer. » Donc, j'ai l'impression ici que c'est une personne... Avec le clown, le public, personnage public, à vous de voir. Je pense qu'il y a un problème d'alcool ici. À cause du nez rouge, là. J'étais attirée par le nez rouge. C'est comme si je ne voyais que le nez rouge. Donc là, ici, on me présente quoi? La carte distinction qui me parle de loyauté, de justice, les hautes valeurs morales. Une personne qui peut porter l'uniforme. Ouf. On bloque ici. Il y a une femme, elle revient souvent ces temps-ci,
peur de perdre, ici la famille ou le clan, le groupe, à vous de voir. Ici, coincé dans le labyrinthe, on cherche une solution. Il y a une femme ici qui a peur de perdre. C'est une femme qui est difficile à cerner. Donc, les membres ici, là, du clan, ont très peur actuellement. C'est comme s'ils s'étaient piégés, ces membres du clan, piégés. Ils cherchent ensemble une solution. Beaucoup de peur. Une femme qui a peur de perdre. Scorpion. Ils sont bloqués. Donc là, ici, là, on me présente des personnes, des membres d'un clan, d'un groupe bloqués. Ils ne trouvent pas la solution pour se sortir de leur labyrinthe. Du labyrinthe. C'est la perdition. Ils sont perdus. Bon. Ici maintenant, est-ce qu'on pourrait rajouter une autre carte ou si on s'arrête là? Bon, je vais rajouter une carte sur le clown, le personnage. Mais ici, quand je le regarde, le clown, je ne vois quasiment que le nez. Mon regard se porte directement sur le nez du clown. J'ai l'impression qu'on me présente le nez en gros plan. C'est une personne sensible, très sensible. C'est l'âme de l'artiste que je rencontre. Grande sensibilité émotionnelle. Une personne intuitive, inspirée, qui a beaucoup d'imagination. Très, très sensible. Je pense que c'est une personne qui a un problème d'alcool. Honnêtement, là, étant donné que mon regard, c'est comme si on me présentait le nez en gros plan, le nez du clown. Donc, c'est une personne ici, oui, très sensible. C'est l'âme de l'artiste qu'on me présente. Personnage public. Une personne rêveuse. Peut-être ici qui a un problème d'alcool, qui fuit ses émotions. Une personne triste qui fuit ses émotions dans l'alcool. En tout cas, là, ce qu'on nous dit en ce jeu, c'est que cette personne... Et que cette personne veut rencontrer la dame de cœur, nous dit quoi? Je m'éloigne de toutes ces énergies. Il y a un clan ici. Et on a vu l'abus de pouvoir. Alors voilà, cette personne a découvert la vérité. C'est ici, je pense. Non, pas tout de suite. Je vais m'arrêter. Suite à la carte... Une carte, un message de l'univers pour ce jeu. Scorpion. Donc, c'est une personne charmante, séduisante, sensible, qui souffre, qui a découvert la vérité, qui est très triste. Il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Scorpion, quoi d'autre? Oups! Bon, écoutez, là. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Elle s'est retournée. C'est celle-ci que je vais prendre.
Il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant. Ah voilà, ça fait sens. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Voilà. Il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête, signe du scorpion, et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.